pendant une heure, je suis ailleurs, je me détends et ça fait oublier tous les soucis et tous les problèmes de santé. C'est un moment de relaxation. Un moment pour soi. Oui, c'est ça, un moment pour soi. Les soins de support s'inscrivent dans la prise en charge globale. Moi, en qualité de réflexologue, je m'occupe de la personne qui est confrontée à un traitement, aidant y compris, puisque les aidants ici au centre ressources ont accès aux mêmes prises en charge que les personnes touchées par la maladie. Non, c'est que j'ai beaucoup de mal à me relâcher. Quand on s'occupe d'un enfant, on n'a pas forcément le temps de s'occuper de soi. L'idée, c'est d'être pris par la main. Mais pour son propre bien-être, chacun en fait est là et essaye d'enrichir un peu de par son expérience, celle des autres quoi. C'est le seul endroit où ils peuvent vraiment se livrer sans avoir peur d'être jugés. Nous sophrologues aussi, on aime bien plutôt que s'intéresser au pourquoi, de se demander comment. Tiens, je suis à un moment déstabilisé. Comment je peux retrouver mon équilibre? Ils sont à l'intérieur du groupe, vraiment dans un espèce de cocon de bienveillance et de respect. C'est que là, on ne reçoit pas des malades, c'est des gens qu'on voit et qu'on croise. Ressources, c'est ça, c'est du lien et du liant. On essaye d'être une grande famille et on a cette vocation d'avoir envie d'être une grande famille.